General Moncisco Pernambalo, General Moncisco Pernambalo, Comandante Supremo das Forças Armadas, Comandante Supremo da Armada, Excelência, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, Excelência, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Mesdames et Messieurs, Membros do Governo, Sr. Diretor de Operações do Banco Mundial, Sr. Diretor das Operações do Banco Mundial, Sr. Representante-Presidente do Banco Mundial em Guiné-Bissau, Representante-Presidente do Banco Mundial em Guiné-Bissau, Senhoras e meus senhores, Mesdames et Messieurs, Excelência, Sr. Presidente da República, Excelência, Sr. Presidente da República, peço-lhe que me permita, em nome do Governo da Guiné-Bissau, demando que me permita, em nome do Governo da Guiné-Bissau, o qual tenho a honra de pertencer, ao qual tenho l'honneur d'appartenir, de manifestar a minha grande satisfação de estar aqui neste momento, uma grande satisfação de estar lá neste momento, para conjuntamente com os representantes do Banco Mundial, ensemble avec les representantes do Banco Mundial, procedermos à assinatura do acordo de financiamento, desta importante instituição multilateral, um montante de cerca de 70 milhões de dólares, um montante de aproximadamente 70 milhões de dólares, sob forma de dólar, que será, digamos, aplicado na reabilitação e isolamia de secções prioritárias da estrada de Sac, de secções prioritárias da rota, construção e reabilitação de infraestruturas para o benefício das populações que vivem ao longo da primeira estrada, ao longo dessa rota, apoio institucional e reforço de capacidade para a gestão do setor de transporte rodoviário, o transporte rodoviário. Portanto, eu queria mais uma vez, com a permissão, Sr. Presidente, dizer que, enquanto Ministro das Finanças, quero assegurar que, a preocupação, quer do Sr. Presidente da República, do Primeiro-Ministro, e do Governo, não se resume, exclusivamente à procura de equilíbrio financeiro, à recherche e operação e obtenção de um programa de longo prazo com o FMI. Votação de um programa a longo termo com o FMI. Trabalhamos sim para mobilizar recursos, e sob forma concessional, para garantir a melhoria, para assegurar a melhoração, serviços, pela base de oferta de essenciais à nossa população, particularmente nos domínios da saúde, educação, infraestrutura, indispensável ao desempenho da nossa economia. Apesar das dificuldades que o país enfrenta, foram agravadas pela persistência da pandemia de Covid-19, o aumento agora que estamos a assistir dos preços dos assistentes importados, com as suas proporções socioeconómicas, o país continuará a empreender cada vez mais esforços com vista a prosseguir com gestão eficiente e responsável dos recursos, para a satisfação do bem-estar ou na satisfação do bem-estar da sua população. O desafio que nos espera são difíceis, mas, contudo, transponíveis, com o empenho de todos os implicados, a ver com o trabalho de todos que são implicados. Sr. Excelência, Sr. Presidente da República, Senhoras e Senhores, Messias, permitam-me aproveitar esta ocasião, para salientar o Banco Mundial, que é o nosso maior parceiro de desenvolvimento, com financiamentos predominantemente concessionais, e vão à encontro com a nossa estratégia de gestão da dívida, numa perspectiva de sua sustentabilidade. É ainda de toda a justeza elogiar a disponibilidade e a agilidade do Banco Mundial e a sua equipa técnica, em trabalhar com a Guiné-Bissau, em busca de soluções rápidas e expeditas para os desafios de desenvolvimento do que
que o nosso país deve fazer. Dans notre pays fait face. Para terminar, gostaria de deixar aqui expresso o nosso agradecimento ao Banco Mundial, através do seu diretor, da sua representante presidente, pelo apoio incessante, sempre manifestado em relação ao nosso país, assim como exprimir a nossa firme determinação em tudo fazer para o sucesso dos programas, dos projetos acordados pelo Banco Mundial, que são benefício do nosso país. Benefício do nosso país. Muito obrigado. Merci beaucoup. Sentado ou afirmado, Carlos Melhor? Senhoras e senhores, vamos terminar esta cerimónia com a intervenção do Sr. Presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, General Francisco Coimbra. Și de la important, se reunize de parte direct, mă să important. E cum să direi la fărere de bancă, nu vrea să fie direct, e cum să obligăm de parte la portughii, de parte direct, mă. Și de vice-premier ministru, premier ministru în exercis Soare Sabu, se reunize de Monsieur Natal. Madame la Ministre, je suis frappé pour la joie que finalement aujourd'hui on a mis nos projets à réaliser. Je rappelle ces jours pour chercher les moyens de retour de Nathan de la carte. On a dit ici qu'il n'a qu'à prendre la route pour aller à Zébichon et de là-bas il peut trouver un vol. Pour rentrer à Dakar. Elle a accepté le défi. Et c'est ça qui a sorti la folie qu'aujourd'hui on va voir. On a cette don de la Banque mondiale pour faire cette route à partir de Safi jusqu'à Dakar. Et la prochaine fois, on va aller vers le sud. Voilà, c'est comme ça qu'on va s'insérer dans la stratégie. Sera la stratégie, comme ça toujours le Banque mondiale va le faire. Et ça me touche beaucoup. J'ai vu avec l'affection. Je parle de mon équipe, du ministre, et surtout qui m'a beaucoup encouragé pour garder le ministre des Travaux publics. Et ça aujourd'hui, j'ai dit la vérité, il m'a toujours dit sur le président. Et quand j'ai dit je dois changer Fadia, tu m'as dit sur le président, tu peux attendre encore. Voilà, là j'ai cassé le secret. Mais tout ça, c'était un grand travail. Ce n'était pas facile. C'était l'équipe, bravo et félicitations. Et nous tous. Mais on doit faire encore. Comme je vous dis, ma génération doit être celle de congrès. Pas de temps pour les paroles, on a tellement parlé, on a tellement fait de pagailles, mais là, il n'y a pas de pagailles. Il faut vraiment reconstruire notre pays. Et j'étais à Kigali, quand j'ai dit au président frère Karamé qu'on a un accord avec le fonds, on m'a dit bravo. Et nous, on était au Qatar, je pense, le vice-premier ministre et le ministre des Finances. Première chose qu'ils nous ont posée, la question, est-ce que vous avez des petits cachets de fonds monétaires? On a dit non pour l'instant, tu sais,
pour vous aider, il faut voir ces cachets-là. C'est très important. Et j'ai dit, bon, là, on a feuille de route. Quand on veut, c'est possible. Bon, nous sommes arrivés. Ce n'était pas facile. Les gens nous ont mal compris. Mais, pour arriver à ça, il faut beaucoup de sacrifices. Combattre la corruption, fermeture de beaucoup de choses. Et c'est normal, c'est jamais une compréhension. Mais comme le pays passe avant tout, et j'ai dit tout le monde, commençant par moi, et tout le monde doit faire des sacrifices. Un jour, moi, je vais partir, et aussi, mais c'est l'autre qui va rester. Et tous ces projets vont rester. Et j'ai vu comment tu étais engagé quand j'ai rencontré le président de la Banque mondiale en face à Dakar. Il m'a donné un conseil. Il m'a dit, tu sais, Nathan, il ne peut pas juste aider ici, et même en Asie. Il m'a dit, monsieur le président, il faut approcher beaucoup de pays d'Asie, notamment le Vietnam et tout. Le président de la Banque mondiale. Après, j'ai parti le tremper, j'ai dit, viens ici. J'ai dit, monsieur le président, tu peux me dire qu'est-ce que tu m'as dit de Nathan? Il m'a dit, voilà, voilà, voilà. C'est un Américain qui n'avait rien à cacher. Il m'a dit ça. Et ça me touche beaucoup. Tu as toujours montré la solidarité avec ton pays, la Guinée-Bissau. Et je peux vous assurer que tout ce qu'on va avoir avec les banques mondiales, le Fonds monétaire, la BAT, sera exécuté à la lettre. Et je vais les surveiller aussi. Guinée-Bissau sera un pays moderne. On a commencé déjà. Juste le fait d'avoir ces cachets de fonds monétaires. Et nous sommes arrivés. Et nous sommes arrivés. Si vous voulez encore, merci pour ça. Et j'ai toujours aussi demandé à Nathan, mon frère, donne-moi une feuille de route. Qu'est-ce que tu en penses? Sur le président, moi je pense. Voilà, 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 voilà. Les cibles, c'est dit d'accord. À ton retour, tu vas voir. Voilà, on a toujours fonctionné comme ça. Nous sommes arrivés. Il faut qu'on continue encore avec ce dynamisme et la transparence et l'utilisation des fonds publics. C'est ça notre slogan. Il n'y a pas de petits états. Mais il y a des états pauvres, comme nous. Mais la dignité passe avant tout. Et je suis sûr et certain que les banques mondiales se parmi les premiers partenaires de la Guinée-Bissau. On fera la question qu'il y a encore plus de confiance entre nous et comme ça on marcherait ensemble. Je vous remercie beaucoup à vous tous, je vous encourage encore. Et la prochaine fois, il faut l'amener aussi au sud du pays. Comme ça, il pourra être mon porte-parole. Comme il a fait déjà le nord, la prochaine fois on va faire le site du pays. Et je pense que la banque aussi, hein, les travaux publics, est-ce que c'est la banque qui doit financer les routes de Kémou-Boké-Kémou, hein? C'est la banque africaine de développement. Oui, Boké-Kémou et point de Farine-Dougal au Sénégal. Oui. Parfait. Et là, on va commencer notre frère aussi, le dessinant, pour qu'il nous accompagne. Voilà. C'est comme ça qu'on peut en sortir, la solidarité. Et ça aussi, je sais que ça ne va pas nous manquer. En tant que nos bons amis et tout, on sera ensemble. Merci beaucoup. Hein. Je suis content. Merci beaucoup, Nathan. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Com estas breves palavras do Chefe de Estado, permita que nos anunciemos o encerramento desta cerimónia. Boa noite a todos. Bom, bom sábado.